Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Expert Prono Foot, une vidéo consacrée à mes 5 pronostics conseils pour cette dernière journée de championnat sur tous les stades d'Europe. On fait le bilan de ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc sur les 5 pronostics que je vous avais donnés, malheureusement, il y a eu 2 petites erreurs où Lille a été contre-performant. Je pensais que Lille aurait gagné et ce serait attitré le titre de champion de France. Ils ont fait 0-0. Et du côté du derby de la Roma, j'avais pronostiqué les 2 équipes qui marquent. Et la Roma est allée s'imposer sur le score de 2-0. En revanche, on a vraiment bien pronostiqué avec une très bonne analyse les matchs suivants, notamment le Tottenham Wolverhampton où j'avais misé sur un plus de 1,5 but à 1,86 qui est totalement passé. Le score exact qui me fait extrêmement plaisir entre Leipzig et le Wolfsburg, 2 buts partout. Et là, tout passe, les deux équipes qui marquent, le score exact et le fun cumulé avec le plus de 2,5 buts. Et enfin, pour finir, le Mayence Borussia Dortmund, où là, vraiment, on a vraiment une très bonne analyse avec Dortmund qui gagne et plus de 2,5 buts. La cote à 1,72 est passée, le fun n'est pas passé, Sancho n'a pas marqué, mais vraiment, donc, belle satisfaction. On a encore gagné un peu d'argent et ça, c'est l'essentiel. On passe donc aux 5 pronostics conseils pour cette semaine. Et là, vraiment des matchs qui peuvent être très intéressants. On va commencer tout de suite avec les deux matchs les plus importants. On se dirige en Liga en Espagne où Valladolid rencontre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui n'a pas le droit à l'erreur. Tout autre résultat qu'une victoire empêcherait peut-être les Rory Blanco de juste triompher et de remporter ce titre de champion d'Espagne. Je vous conseille donc de miser, mon pronostic est simple, Atlético Madrid gagne, la cote est à 1,35 et si vous voulez tenter le fun Luis Suarez buteur, la cote est assez intéressante à 1,64. Donc deuxième match de pronostic conseil où le Real Madrid reçoit Villarreal. Le Real Madrid est sous le spectre de la saison blanche, pas de Coupe du Roi, pas de Ligue des Champions pour les hommes de Zinedine Zidane. Il leur reste peut-être une petite chance de décrocher ce titre de champion d'Espagne à condition que l'Atlético Madrid réalise un faux pas. L'adversaire du jour du Real Madrid est Villarreal. Villarreal qui joue une finale de Coupe d'Europe la semaine prochaine contre Manchester United. Villarreal fera certainement tourner et souhaitera éviter toute blessure. Je pense donc que le Real Madrid va faire le taf jusqu'au bout. Victoire du Real Madrid à 1,45 et le fun buteur Karim Benzema qui est en feu à 1,56. On se dirige maintenant en Angleterre où Leicester qui reçoit Tottenham. Match capital pour ces deux équipes. Tottenham qui joue sa place en Ligue Europa et Leicester à domicile qui joue sa place pour la prochaine Ligue des Champions. Je vois donc les deux équipes qui marquent, mon pronostic, donc les deux équipes qui marquent à 1,48. Le fun avec Ihane Seko et Harry Kane, buteur, à 1,44. On passe au match suivant, on reste en Angleterre, West Ham qui reçoit Southampton. West Ham qui joue également sa place en Ligue Europa. Et là, je pense que West Ham n'aura aucun problème à s'imposer contre des visiteurs. L'équipe de Southampton qui est vraiment très faible à l'extérieur, qui reste sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs et qui est la 17e pire équipe à l'extérieur. Victoire de West Ham, la cote est très intéressante à 1,72. Et si vous voulez tenter un fun, Marc Antonio et Jesse Lingard, la cote est à 1,47. Et enfin, dernier match de ces 5 pronostics conseils. Et là, vraiment, on s'attend à un match vraiment spectaculaire. Moi, personnellement, j'adore cette équipe de l'Atalanta Bergame qui produit un jeu vraiment porté vers l'offensif. Le Milan AC, qui a été longtemps deuxième de Serie A, retombe dans ses travers. Zlatan Ibrahimovic va certainement moquer à cette équipe du Milan AC. On le sait, la bataille en Italie pour ses places qualificatives en Ligue des Champions va être serrée, voire même tendue. La Juve est dans l'obligation de gagner, tout comme le Napoli et tout comme cette équipe du Milan AC.
Je vous conseille donc de miser sur les deux équipes qui marquent. La cote est assez faible à 1,33, mais je pense qu'on va voir beaucoup de buts. Et vous pouvez même tenter le fun buteur avec Muriel ou Rebic. La cote est à 1,54. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à partager et à commenter cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve dans une quinzaine de jours pour ces pronostics Euro 2020. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao.